Ton maître, il frappe pas assez, toi. Quel monde est ici, là, quel je vais rentrer chez moi. Je suis en détresse. Fils de Moussa Mbami, je suis arrivé là. J'ai un bleu blanc. Donc, c'est moi tranquille. Du coup, attends, tu sais qu'en plus, je crois qu'il pleut blanc. Quoi, ah ouais, il pleut blanc ici. Je crois qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est le. Monsieur, c'est le noir là, il m'a attaqué, le noir là. Le petit quoi? Noir, il m'a attaqué. Ah oui? Il m'a attaqué, le petit noir là. Il n'a pas attaqué. Celui-là, il m'a attaqué. Le petit noir, il l'a attaqué. C'est vrai? Il m'a attaqué, il m'a mis dans le coma. Ah oui? Je vais te gifler. Je vais te gifler. Mais attendez, c'est de la merde ça. Arrêtez, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est un autre que j'ai abattu il y a peu. Il avait son arme en main, oui, mais on l'autre parle visé, qu'un chapeau alors rouge. Que lui avait l'arme baissée, on appelle ça du no-fear. Donc il quoi qu'il arrive, dans les règles du RP, il n'a pas le droit de faire voilà, ça. Voilà, bah c'est ça, il a essayé de me braquer il y a deux secondes. Ah, merci, merci, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Écoutez, attendez, attendez, il y a mon agent qui va prendre votre plainte. Oui, venez. Envoyez-moi Discord. Oui, non, ça sympa, merci. Vous êtes sûr? Je ne pas. Parce que là, dans ce cas-là, il va être relâché. Non, il ne l'avait pas jusqu'à... Regardez la redis, ça met deux secondes, les mecs. Regardez s'il a une arme. Non, non, mais je l'ai... On fait un ticketus, ça mérite. Mais quelle merde hein. Il avait une arme à la main ou pas? Non mais regardez la rediff s'il avait l'arme à la main. Mais l'arme est baissée. Allez venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Allez devant le bureau. Quel bande de guignols, j'allais partir à chaper tout le long là. Non, les stalkers vous débarquez quand là les gars là, putain. Alors... Allez devant, s'il vous plaît. Mais faites de la qualité, faites pas de la merde commune. Ouais. Alors, c'est quoi votre nom? John. John comment? John Café. Ouais, allez, allez. Attendez, hop. Putain, mais les stalkers servaient à quelque chose, bordel, putain. Monsieur Simon Cohen, vous pouvez... C'est café, comme le café, monsieur. Chef. Oui, oui, parce que... Alors... Excusez-moi, monsieur le marshal. Oui. Non mais en gros c'est un serveur troll en fait, on est parti, vas-y, c'est quoi les gars le serveur, mais allez-y. Téléchargez TS, mettez sur le coup. Je suis pas tranquille ici. Oui moi aussi, pas dans la cellule quand même. Apparemment ils ont décidé de voir un match de troll. Mais non, pas dans la cellule dernière. Bah non, justement, mon chapeau c'est... Faites des persos contemporains les gars, balèque les mecs. Faites genre livreur Uber Eats, on s'en fout les gars. Bah oui, on a attends, je me mets TS, comme ça, il n'y aura pas de doublon. Vas-y, hop, j'envoie le clip. Bah oui, tu peux l'envoyer au Smurf Reznor, s'il te plaît, Cesse. Comme ça, j'ai pas besoin de... Ah bah, BJ, le balai déjà fait, il est trop fort. Ok, bon, vas-y, Ticketus, hein, les gars, c'est parti. Hein, Ticketus et Collégramme, hein, comme d'hab, hein, les gars, on y va, on y retourne. Hein. Alors on va mettre quoi? Général HRP dans ça. Et vous voulez, je suis fatigué. Je t'aime Ryuz, je te kiffe mais... Je te kiffe Ryuz. Et... Attends, regarde, regarde, regarde. Ils sont pas le coup. Monsieur. Mais putain! Monsieur. Ok. Ouais. Attendez, j'ai besoin. Oula, 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 oula. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Allô. Mais comment? C'est PC, ça, monsieur. Il est arrivé. J'ai pas le droit de tuer. C'est qui ça? Pourquoi vous l'avez? Attends, on va s'en occuper. Bordel, mais
Mais comment? Comment il s'appelle le noir là-bas? Excusez-moi, pourquoi vous l'avez tué là? C'est scandaleux quand même. Mais vous l'avez tué? C'est un fiasco total, monsieur. C'est un fiasco total. Mais comment? Non, non, c'est pas possible de tuer les gens comme ça là. Oui. Non, mais non, non, mais il rentre dans un poste de police. J'ai porté plein de coups de poing. Vraiment, attendez, Marshall ou pas? Marshall ou pas, vous allez être poursuivi en justice. Vous sortez les deux. Les deux, vous sortez. Tu vas voir, je suis ambassadeur d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ambassadeur d'Israël. La vérité. Vous avez trois secondes. C'est quoi Israël? C'est quoi Israël? Monsieur le petit là, vous avez trois secondes. C'est la terre, c'est la terre sainte, promis. Mais arrêtez. Ah bah qu'est-ce que vous faites là, mon noir? Monsieur le vert, vous avez trois secondes. Ils m'ont attaché et m'ont violenté. Trois. Bah il n'y a que moi. Mais laissez-le tranquille. Allô. Monsieur, il est vieux, arrêtez quand même, vieux. Oui, mais il veut pas sortir. Mais comment ça, je veux pas sortir? Vous vous adressiez même non, pas à moi. Il faut pas le malmener comme ça, monsieur. Attendez, attendez. Faut pas le malmener comme ça, monsieur. Mais pourquoi vous êtes là, monsieur? L'autre, il crée les... Vous l'avez il malmené. La crise, pas non. Bon, venez, on va porter plainte. Monsieur, dans le cachot, pourquoi vous êtes là? Allô. Dites-moi, que je vous fasse sortir. Laissez-moi enfermer, monsieur. Aidez-moi, vous voulez faire l'avocat? Monsieur. Je veux bien, oui. J'ai longtemps travaillé monsieur. Comme avocat au pays. Monsieur, oui, c'est moi. Attends, c'est mon avocat, monsieur, c'est mon avocat. C'est ça. Comment ça, c'est son avocat? Mais vous saviez pas, avocat, vous m'avez même pas posé la question. Simon Cohen, l'avocat préféré. Aïe, aïe. Laissez-moi. Bon, sortez. Je m'en bats. Laissez-moi. Vous m'avez violenté. Allez, tout le monde sort, dépêchez-vous, tout le monde sort. Tu peux revenir. Je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas reçu les premiers soins. Mais écoutez, sortez dehors, et il y a un médecin qui arrivera, j'ai fait l'appel. Ouvrez-moi monsieur... la cellule, non. Je serai plus en sécurité. Non, je ne serai pas en sécurité, négatif. Ouvrez, monsieur, ouvrez, j'ai... C'est ça, vous êtes antisémite, hein? Vous m'avez platiné bon. Parce que vous êtes antisémite, bon. C'est ça? Bon, la vérité. Vous sortez. Aïe. Pardon. Aïe. Attends, pardon. Pardon. Non. Aidez-moi, monsieur. Aïe. J'ai trop de force. J'ai trop de force. Bon, s'il vous plaît, sortez. Là, sortez. Vous allez tous m'écouter. Là, c'est vraiment autre chose que ici. L'autorité, ça. Je l'affirme. Là, mais... si tu veux pas quitter la ville, je te préviens. Ferme ta gueule. Mais. D'accord. Là, mais... je vais vous demander à tous. Je vais vous demander à tous de sortir si vous n'êtes pas. C'est parce qu'on est noir et que sortir, c'est ça. Vous êtes dans un poste de. Arrête de l'assauter. Un poste vous de quoi, monsieur? Vous êtes dans un poste de marshal. Il mérite le respect comme tout le monde. Il mérite le respect. Vous allez avoir de graves problèmes. Tu la fermes. Monsieur, vous allez. Vous êtes dans un poste de marshal, il y a un minimum d'attitude à avoir, un minimum de règles à respecter. D'accord? Parce que là, sinon, vraiment, vous allez tous partir. Parce que là, vous faites n'importe quoi, là. Vous êtes à Saint-Denis dans un poste de marshal. D'accord? Il y a un minimum de choses à avoir. Et là, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Vous gardez votre sang-froid, monsieur. Je vais être libéré, je n'ai rien fait, monsieur. Ceux qui ne sont pas arrêtés, donc le petit là, monsieur, le petit qui est là, vous dégagez d'ici. Non mais attendez, vous avez deux secondes pour vous dégager. Parler. Ah bah je vais dégager. Vous parler dehors alors, si vous préférez comme ça. Dépêchez-vous, dégagez. Vraiment, c'est un fiasco là, vraiment. Voilà. Merci, c'est ouais, merci, bon, ça va. Bah rendez-lui, je prenais ça plein. Oui, c'est super important les gars, vraiment, merci. S'il vous plaît, j'aimerais vous parler. De quoi? Allô. Lui là par contre là. C'est lui qui a essayé de me tuer. Qui foutait la merde là depuis tout à l'heure, Mike Davis là? Lui. Lui là? Avec lequel? Essayé de te tuer? Le petit là qui est là. Non, c'est pas lui qui essaie de me tuer. Lui là, il rentre comme si c'était chez lui. Et lui là pareil. Toi tu dégages, tu bouges, tu dépêches. Ça. Bah, c'est cellule. Tu dégages. Ça va être cellule là. Prochaine fois c'est cellule qui va faire 2 heures là. Sortez vous, lui. Laissez-moi sortir. Lui, vous dérangez, je suis en RP, les gars. Pourquoi vous essayez une donation train, les gars? Pas maintenant. Vous pouvez rester. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Oui, ah ok, t'as pas vu, pas de soucis. Ça arrive, c'est pas grave. Parfait, alors ça dégage. Hop, prochaine fois c'est cellule directement. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Mike Davis? Lui, il attend là-bas, pas oui, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je suis pas rentré. C'est bon, il est rentré là par contre, il va rester 2 heures en cellule lui. Mais, je suis pas rentré. Il a pas fait exprès. Si vous êtes rentré. Il a pas fait exprès. Je voulais vous parler avant. Dernière chance. Vous laissez mon avocat. Quoi? Le panic buy. Appelez les docteurs, s'il vous plaît. Ah oui, merde, il est là. Mais patron, ils vont te relever. Et oui, il est relevé. Il n'a rien fait, mon patron. Il va te libérer quand?
c'est des émotes de ouf. Attends. C'est autrement qu'on va s'envoler tout ça. Et vous faites une allusion à quelque chose. Sortez, vraiment, quittez le poste. Non, vous êtes avocat de rien du tout, vous n'avez aucun problème. Avocat de rien du tout, j'entends. Je dirais que vous allez sortir, mais vous n'allez plus jamais revenir. Vous avez tout, vous arrêtez de frapper. Vous avez tout ce qu'on... Parfait, lui maintenant. Lui, tu me le fous sa cellule et tu me le dégages. Lui ? Lui, tu lui mets les 50 dollars. Et tu le laisses sortir. D'accord. Moi, même la souffert. 50 dollars pourquoi ? 50 dollars pourquoi ? Tiens les noirs. 50 dollars pourquoi ? Vous n'avez pas marre de le tirer noir ? Mais 50 dollars pourquoi du coup ? Pour la bagarre dans le salon. D'accord. Et dans la banque. Tu notes dans le NDT ? Tu prends photo. Je prends photo carrément. D'accord. J'avais même à nous, mais c'est vous pour les miens, j'avais même à nous. Non, vous avez pas, vous êtes venu à attends. Je suis la marque. Merde. Putain de fort de merde. Il me sent pas bien. Relevez-moi, relevez-moi. Je vous aide à vous relever et je vous tiens la facture. Allez. Bien, allez, monsieur, s'il vous plaît. Et c'est quoi votre nom ? Bravo, ce que vous faites la justice. Bravo. Je vous laisse sortir, mais c'est quoi votre nom ? Mon nom, c'est ça. Tu demandes ton nom, prénom, tu prends photo. Nom, prénom ? Oui, nom, prénom, tu prends photo. Mais il ne veut pas donner son nom ? Il a donné mon nom. Pardon, vous. Il y a un petit besoin. S'il veut pas lui. Il veut pas. Il veut donner ses comptes. T'arrives à ouvrir ou pas ? Dans le tour. Vas-y. Il y a Kunda. Tu le mets contre le mur, tu le prends en photo, tu fais les papiers, tu le dégages. D'accord. Et je lui invente un nom du coup ? Non, c'est bon. On peut y aller. Non, vous n'arrêtez pas. Bon, non, vous me suivez, vous me suivez. Mets-le contre le mur. Allez hop. Allez, venez. Contre le mur. Venez. Vous voulez quoi, le numéro de... Là, mettez-vous de là-bas, tout devant. Le numéro là-bas. De quoi ? Vous voulez la photo ? Vous voulez... Non, juste le nom. Vous avez parlé de photo ? C'est quoi la photo ? Attendez, je vais prendre une photo de vous et vous allez me donner votre mais nom. Mais comment c'est quoi la photo ? Dis-moi la photo. Mais allez, la photo, allez au fond juste et retournez-vous. Allez, bougez plus. On a vraiment tout vu, hein. Bougez plus. Bougez plus, d'accord ? Bouge pas, là. Bouge pas. Ah oui, ça c'est sûr, il était mauvais, hein. Très mauvais. Contre le mur. Il n'avait pas peur de la mort. Contre le mur. Retournez-vous. Ah mais c'est lui. C'est vous. Bougez plus. De la mort. Ah oui, c'est lui le shérif. Vous êtes vraiment... Ah, vraiment, vous m'embêtez là. Vous attendu et vous sortez votre gun. C'est quoi votre nom ? Nom, prénom. Vous êtes vraiment à chier comme shérif. Mon prénom, nom de Kunta. Kunta qui ? Ouais, il est con. Kunta Kinte ? Fils de Moussa Mbami Blanc. Ah oui, bah bien sûr. D'accord. Kunta Kinte ? Oui. Kunda Kinte. Kunta Kinte. Kunda avec un D. À la fin de date. T'es comme ta loula. Oui, c'est ça. T'A, d'accord. Kunta, Kinte. Oh non, t'as été banni. Avec un accent aigu à la fin. Regarde si je peux revenir avec un autre compte. Kinte, E accent. Vous mettez tous les accents, vous faites comme vous voulez, je comprends pas ça. Il n'y a pas de femme, lui, il n'y a pas de gosse. Kunta Kinte, d'accord. Reviens, tu me diras comment on fait pour revenir. J'espère qu'il ne faut pas acheter un autre compte Red Dead, hein. Juste à changer le Discord, peut-être. Et le TS. Ils sortent tous tout cela. Attends, c'est qui qui a fait Free Kill, ouais. Là, de où je l'enfer, les gars, c'était qui ? C'était Chalux ? Il y a tout le monde ici, il y a tout le monde au commissariat. Je vous salue, monsieur. Maintenant, je vais partir, s'il vous plaît. Non, attendez. Je vous salue. Attendez. Qu'est-ce que je fais, moi ? Peut-être juste en changeant Steam, les gars. Mais ils sont pas bien. En plus, vous êtes fier de ça. Ah, vous êtes dégueulasse, monsieur. Il est dégueulasse. Vous savez, vous pouvez partir, là, monsieur. Il a vomi chez nous. Oh putain. Non, c'est trop bien fait, putain. Allez, dégagez d'ici. Je vous laisse.
Oh putain, vas-y, occupe-toi, non, c'est bon. J'en peux plus. Oh, si, fais-le sortir d'ici, fais-le sortir d'ici. Oh putain. Oh putain. Bah venez, levez-vous, allez prendre l'air. Oh putain, oh putain. Ouais, tu peux mieux faire, ouais, bien vu. Attends, c'est qui a dit ça? Barthes, ouais. Allez prendre l'air. C'est quoi ça? Que, regarde, regarde, un noir qui rentre. Un noir qui rentre. Un noir. Deux noirs qui rentrent. C'est quoi cette soirée? Que des noirs. Un. Foutez-la.